Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme celle-ci. Voilà, donc on se retrouve pour une vidéo haul shopping. Oui, parce que j'ai été au Black Friday comme tout le monde et j'avais envie de vous partager mes petits bons plans et mes trouvailles dans mes magasins préférés. C'est-à-dire que j'ai été chez Jennifer, Pimkie et aussi H&M. C'est vraiment trois magasins où dès que je fais des soldes, je vais chez eux. Je vais aussi dans d'autres magasins, mais malheureusement, j'ai rien trouvé de bien. Donc voilà, là, je vous fais voir mes trouvailles. J'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et aussi, donc pour celles qui seraient intéressées pour avoir les mêmes articles que moi, donc je vous mettrai tous les liens de chaque article dans la barre d'infos, donc vous aurez plus qu'à dérouler juste en dessous de la vidéo pour voir les liens des articles et aller directement sur les différents sites. Comme ça vous permettra aussi d'éviter de rechercher tous ces articles parce que oui, là, ça va être un méga big haul. Je suis super contente d'avoir fait ces soldes et vous montrer aussi mes petits bons plans et mes trouvailles. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-le-moi en commentaire. Et pour celles qui débarquent aussi sur ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur s'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, aucun de mes bons plans, ni aucun de mes tutos scrap. Donc oui, j'ai fait une petite pause scrap, mais c'est pas parce que je fais que des hauls que je ne fais rien avec le matériel. Je pense que vous voyez que 15 minutes de ma petite journée, donc je pense qu'il serait assez temps d'arrêter de dire un peu des bêtises, surtout quand on ne vit pas avec la personne. Donc merci bien pour celles qui sont un peu jalouses. Donc on va commencer par Jennifer. J'avais oublié aussi de vous faire voir quelques articles que j'avais achetés il y a quelques mois. Donc j'en profite en même temps pour les mettre dans ce haul. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aimeront pas sûrement les articles que j'ai achetés. Mais voilà, c'est mes propres goûts. J'achète ce que j'aime. Donc j'ai trouvé ce superbe pull avec épaules dénudées. Il est magnifique. Avec des petits volants sur les côtés, donc vous ne pourrez pas le voir. J'essaierai peut-être de vous mettre quelques photos des articles sur l'un des côtés, on va voir. Mais voilà, il est super beau, en col rond, avec des volants au niveau des épaules. Il est franchement magnifique, des longues manches. Et voilà le motif. Je l'ai payé 19,99 €. Donc ça, c'était un article, comme je vous ai dit, je l'ai acheté il y a quelques mois. J'avais besoin de pull, il était kaki et c'est tout à fait le style de pull que je porte en ce moment, avec les épaules dénudées. Donc je le kiffe vraiment. Il est à 19,99 €. N'oubliez pas, je vous mets les liens en dessous pour voir si sur le site, pourquoi pas, il y aurait votre taille si vous avez aimé cet article. Donc après, j'ai trouvé aussi un superbe jean. Franchement, il est top. Motif militaire, il est franchement beau. Il est un peu stretch, hein, un peu élastique. Et donc, c'est un skinny. Un super beau pantalon. Donc généralement, je prends jamais des pantalons avec des trous. Mais là, franchement, je l'ai adoré. On voit rien, c'est un mini trou là. Et là, c'est bien sur les cuisses extérieures. Donc, on ne voit rien. Et voilà, vous avez des trous jusqu'en bas. Il est vraiment magnifique, enfin moi j'adore, avec des petits fils un peu partout. Ça, j'avais pensé le mettre avec des collants, enfin je vous ferai voir juste après avec quoi je voudrais le mettre. Je le trouve super sympa pour 29,99 €. C'est pas excessif pour un jean, hein, c'est les prix. Et il est super beau, en plus j'adore la couleur kaki. Je pense qu'il irait très bien avec ce petit pull bordeaux, donc voilà. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé, il est super beau. Après j'ai trouvé aussi, donc ça c'était les articles d'il y a quelques mois. Hein. Et donc là pendant les Black Friday, j'ai trouvé une superbe veste, kaki toujours. Là en ce moment franchement, j'arrête pas avec cette couleur, c'est un truc de dingue. Donc elle est un peu encore dans l'esprit militaire on va dire. Et elle est toute simple à l'avant et franchement le petit détail qui tue, alors peut-être certaines n'aimeront pas les tête de mort, mais voilà, moi j'adore personnellement, je les trouve super belles, surtout quand c'est bien énorme, bien imposant, et voilà, franchement elle est super belle, vous voyez que c'est brodé, il y a des perles, c'est vraiment bien travaillé, elle est franchement super belle, et je l'ai eue à moins 50%, donc j'ai pris une taille small, hein. Et donc c'était à 40 € et je l'ai payé 19,99 €.
Donc franchement, c'est une superbe affaire. Pendant ces soldes, moi personnellement, j'allais pas trop vers les nouveaux articles parce que 20%, je trouve, enfin, sur certains magasins, ils faisaient que 20%. Je trouve que c'était un peu abusé. Il y avait quelques magasins comme H&M, justement, Pimkie et d'autres magasins qui faisaient au moins 30%. Donc ça valait le coup. Mais il y avait un petit coin aussi où il y avait que du moins 50%. Et j'ai plutôt privilégié de garder dans cette zone des moins 50 que de regarder toutes les nouveautés. J'ai pris beaucoup plus du 50%. Donc ça, c'est une superbe affaire. Elle est franchement super belle. On peut la mettre avec une jupe, un pantalon. Franchement, c'est top. Même un short pour cet été aussi. Elle est magnifique. Enfin là, c'est vraiment le total look presque kaki, on va dire, hein, mais c'est pas ce que je veux faire. Voilà, j'ai envie d'avoir une pièce de kaki. Par exemple, aujourd'hui, je vais mettre le pull kaki avec un jean blanc, par exemple. Voilà. Et le lendemain, le jean kaki avec un pull noir. Je vais intervertir parce que j'adore cette couleur. Après, donc, j'ai continué mes petites recherches et j'ai trouvé un super beau t-shirt très à la mode. J'adore cette couleur, en fait, la couleur moutarde. Je recherche beaucoup d'articles avec cette couleur, mais malheureusement, il n'y a jamais ma taille. Donc quand j'ai vu cet article, je me suis dit, allez, on va l'essayer. C'est une taille M allait, donc j'étais super contente. Et donc je l'ai payé moins 50%, je crois. C'était à 10 euros, oui. Et je l'ai eu à 5 euros. Voilà, c'était une super belle affaire. Moi, j'adore. Même avec mes skinny, ça va être super beau. Après, bien, j'ai craqué. Là, en ce moment, j'aime bien les t-shirts. Au moins, je me dis que c'est rapide à mettre. Ça peut être assez fun et assez sympa à mettre. En fait, ces petits t-shirts sympas. Et en plus, pour le prix, voilà, j'allais pas me priver l'été à 3 euros au lieu de 5 euros. Ouais. Bon, c'était pas moins du 50%, mais bon. J'ai kiffé parce que c'était du kaki. Et parce que les petits dessins, en fait, c'était des dessins comme imitation tatouage, on va dire. C'est vraiment le design des tatouages qu'on se fait chez un tatoueur, quoi. Et voilà, je trouvais super fun. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Pour 3 euros, j'ai un t-shirt. Moi, j'ai pas besoin non plus de mettre trop de pulls. Là, pour sortir, je mets un t-shirt, un petit gilet et mon manteau avec une écharpe et j'ai pas froid. Ça fait tout à fait l'affaire. Donc pour 3 euros, j'ai un t-shirt. Je me suis trouvé un petit débardeur. Il est franchement super beau. Avec des volants sur l'avant, mais aussi sur les bras. Parce que c'est un débardeur avec des épaules dénudées. Vous avez juste les liens ici. Voilà. Et après, vous avez aussi la manche qui est là. Donc ça aussi, ces petits débardeurs, je les mets aussi l'hiver. Avec un pull, une grosse écharpe et un manteau, ça passe nickel. Donc je l'ai eu à 5 euros. C'est vraiment pas cher. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Il est super beau. J'ai pris du noir pour que ça aille avec tout. Pour Jennifer, c'est fini. On va continuer avec H&M. Donc là, j'ai pris un petit gilet. Super fin. Vous pouvez voir qu'il est assez transparent. Voilà, vous voyez mon bras à travers. Et voilà, c'est un gilet super long comme celui que je porte en ce moment. C'est tout à fait la mode en ce moment et j'adore. Donc quand je l'ai vu à H&M pour le prix de 8 euros. Alors il y en a d'autres, hein, franchement, même à Jennifer, j'en ai vu un autre. Mais ça m'allait pas vraiment. Mais il est franchement super beau. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé. Ça va finir en ma tenue et ça va être top. Un petit chemisier super beau. J'irais plutôt une blouse, mais voilà. Un verre bouteille, il est franchement super beau. Moi j'adore. Alors vous allez avoir un imprimé avec des petits trous. Et il est franchement magnifique. Vous avez un col rond. Et il était à 7,99 €. Je me suis dit, il me le faut. Donc voilà, je me le suis pris. Il n'était pas cher pour 8 euros. C'est à moins 50%. J'ai trouvé un petit t-shirt kaki, mais un peu plus clair. Donc franchement, très joli, avec des petites paillettes. Argent, il est magnifique. Et je l'ai payé 6 euros. Donc franchement, je me suis pas ruinée, vraiment. Hein? Voilà. En taille S. Ça soit parce qu'il est déjà assez large même en taille S, donc
Voilà, M, ça aurait peut-être fait un peu trop. J'ai trouvé aussi, donc ça, certaines personnes vont pas trop aimer parce que le volant est assez imposant. Mais moi, j'aime bien, je trouve super fun. Il est super flash, c'est un rouge brique un peu. Et franchement, j'adore. Un top avec les épaules dénudées, vous avez des longues manches. Et un volant à l'avant, donc il est franchement super beau. Ça valait le coup parce que je l'ai payé 5,99€, je crois, ou 5€ pile. C'était une affaire, franchement, j'allais pas hésiter. Moi, je l'adore. Il est franchement magnifique. Et aussi, j'ai trouvé aussi ces sous-vêtements, donc ils sont super beaux. Ça fait comme un style de brassière. Et vous avez deux grosses bretelles qui vont venir se croiser au niveau du dos. Donc, il est franchement super beau. Et là, vous avez l'élastique et les accroches. Et voilà. Vous avez des petits détails avec des petits volants. Il est franchement super beau. Il est un peu rembourré pour maintenir. Et il est franchement magnifique. Je l'ai payé à 7,99€. Voilà, il devait sûrement être à moins 50%. On va regarder ensemble si j'arrive à bien déchirer l'étiquette. Combien ça coûtait? 14,99€. Voilà. Donc c'est du 50%. J'ai pris le haut comme ça et j'ai pris aussi le bas. Donc c'est une petite culotte, pareil. Toute simple avec des petits volants. Voilà. Magnifique pour 3,99€. Pour H&M aussi, c'est fini. On va continuer avec Pimkie. Donc comme je vous ai dit, j'avais des articles que j'avais achetés la dernière fois. Je vous les ferai voir en même temps. Enfin, je vous les fais voir tout de suite. Comme ça, on sera débarrassé. On a trouvé des petits pompons pour mettre sur nos baskets et tout. C'est trop fun. Donc c'est des petits clips à accrocher au lacet. Ils sont franchement super top. Donc je les ai payés à 4,99€. C'est pas très cher, surtout pour décorer. Ça permet de changer un peu de style de chaussures, rien qu'avec un petit accessoire. Après, on continue avec les chaussures. Des lacets en ruban, quoi. Ils sont franchement super beaux. Vous avez trois coloris, du bleu, du rose pâle et du noir. Donc, franchement, ils sont top. Pour 5,99€, c'est pas excessif. Vous allez pouvoir changer les lacets de vos chaussures, même les deux mélangés. Ça va être super beau. La dernière fois, en fait, j'ai pris des chaussettes en barésie. Enfin, donc, j'aime bien. Enfin, je les ai pris parce qu'il y avait l'embout pour mettre ses doigts-pieds. Parce que sinon, moi, j'aime pas trop que. Enfin, je trouve c'est gênant. Donc, voilà. Ils coûtaient 6,99€. Et je les ai eus à moins 40%, donc c'était une affaire. Ça fait même pas 4€ les chaussettes, donc ça va, c'est pas encore excessif. J'ai craqué pour un petit collier, il était super beau. Donc celui-là, je sais pas si c'est chez Pimkie ou chez H&M. J'ai un petit doute. J'ai trouvé ce beau collier, des petites strass. Il est franchement super beau. Donc le prix réel était à 17,99€. Et comme vous avez pu le voir, je l'ai payé 2,99€. Donc c'était vraiment une affaire. Le premier sac, ça c'était ce que j'avais acheté il y a quelques mois. Et là, dernièrement, pour les Black Friday, j'ai craqué pour quelques articles. J'ai trouvé des petites chaussettes super belles, très tendance en ce moment, avec des petits nœuds. Ils sont magnifiques. Franchement, moi j'adore. Vous les avez en bordeaux et je pense que c'est pour ça que j'ai craqué. Qu'elles étaient en bordeaux. Et vous les avez aussi en noir. Elles sont super belles. Voilà. Trouve trop belles. Normalement, elles coûtaient 6,99€. Voilà. Et je les ai eues à moins 50. Donc, ça fait du 3,50€. C'est vraiment raisonnable pour des chaussettes. J'en ai deux. Après, pareil, eh bien, j'ai vu qu'il y avait aussi des varésies noires, des collants varésies noires. En plus, elles étaient à moins 50%. En vrai, je les ai payées
4 € ou 3,50 € pareil à peu près. Donc voilà, et ça je pense le mettre avec mon jean troué militaire, je pense que ça peut être super beau, ou même mettre en dessous un collant opaque noir. Pourquoi pas quand il fait super froid, je vais pas non plus me les cailler parce qu'il y a 10 trous sur mon pantalon. Voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ces petits barésies. Et mon petit coup de cœur aussi de chez Pimkie, c'est un haut super beau avec des franges au niveau de la poitrine. Il est vraiment magnifique, vous avez un col rond. Vous pouvez mettre aussi ce haut avec un skinny et ça fera super bien. Je l'ai pris en taille M, enfin c'est pas vraiment ma taille parce que je fais une taille S. Mais je me suis dit que c'était pas trop grave si c'était pas un t-shirt moulant. Justement, c'est pas ce que je recherchais. Donc voilà, je suis super contente. Celui-là, il m'a coûté 19,99 €. Et il est vraiment super beau. Donc j'essaierai de vous faire un petit lookbook d'ici ce week-end pour vous faire voir un peu tous les styles que j'ai envie de faire et de mettre. Pour que vous voyez un peu où je vais, quoi. Parce que c'est vrai, vous faire voir comme ça les vêtements, vous voyez pas un peu les tenues, mais moi, voilà, c'est très défini dans ma tête. Mais je sais où je vais et voilà, je sais quel style j'ai envie d'avoir. J'avais oublié de vous faire voir ce superbe Perfecto que j'avais trouvé il y a quelques mois. Donc, il était à 45 € et je l'avais payé 29 €. Si tu dis pas de bêtises, 30 €, oui. Donc, c'était vraiment une superbe économie et une superbe affaire. Elle est franchement super beau, une ceinture au niveau de la taille, franchement il est franchement magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Si j'arrive à trouver le lien, je vous le mettrai bien évidemment en barre d'infos. Mais franchement j'ai craqué, il est cintré et franchement il est super beau. Moi j'adore. Donc voilà, vous avez un zip. Et voilà. Donc pour 30 €, je sais plus. Mais franchement, c'était une affaire. Et en vrai, il coûtait 45 €. Donc voilà pour mes petits coups de cœur. Le shopping Black Friday, c'est fini. Je vous ai fait voir tous mes articles préférés du moment. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas, tous les liens sont en barre d'infos. Pour celles qui ont des enfants, eh bien, je voulais vous faire voir aussi les collections enfants que j'ai trouvées. Donc j'ai trouvé un super beau pantalon de la marque H&M. Il est super beau en fait parce que vous avez une petite tête de chat ou d'ours. Enfin, je sais pas trop vraiment, mais il est super mignon. Voilà. Ça permet d'avoir un petit renfort, on va dire, au niveau du genou. Vous avez toujours des liens, enfin, pour resserrer la taille, ça c'est super pratique. Surtout là pour ma fille qui est entre deux âges, entre 6 et 7 ans. Donc c'est top, vous avez pu voir qu'on l'a déjà essayé. Donc ça lui va, elle est super contente et elle a hâte de le mettre. Moi aussi je trouve super fun. Après je suis partie à Kiabi et j'ai trouvé quelques petits trucs super sympas. Ce sont des petits pantalons en velours, ils sont vraiment magnifiques. Et en plus ils sont vraiment pas chers. Ils sont à 10 € et c'est vraiment les seuls pantalons que j'ai kiffé là-bas. Donc ça tombait bien qu'il coûtait pas cher. Donc j'en ai pris un en taille 6 ans, couleur marine. Vous avez des zips avec des petites poches à l'intérieur, ce ne sont pas des fausses poches. Et des petites poches au niveau des fesses, donc très mignon. En bleu marine pour ma petite blonde. Et pour ma brune, je l'ai pris aussi, j'ai pris le même. En bordeaux, il est super beau parce qu'il n'y avait que cette couleur pour elle au niveau de sa taille. J'ai pris du 7 ans et il est à 10 €. Donc pareil, les mêmes décos, hein, c'est vraiment le même. Il est franchement super beau. Donc c'est un peu comme un slim. Hein. Il est franchement top. Moi j'adore, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, likez, faites-moi péter ces likes. 10% de j'aime sur tous mes abonnés, c'est quoi ce délire? Donc je veux mes j'aime là. Alors cliquez sur j'aime, hein, si vous avez vraiment aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, ben mettez un dislike, je m'en fous royalement. Voilà, tout est dit, je vous fais d'énormes gros bisous.